Jean, attendez, j'arrive pour vous donner l'indice. Mon jeu est une merde absolue. On a envie de se le fourrer dans le cul. Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo C8300. Alors là, je crois qu'on est au-dessus de tout. Ah putain, je pense que là on peut pas faire mieux. Alors attendez, je vais juste baisser un peu le son parce que sinon ça risque de gueuler comme pas possible. Oui mes gens, oh oui, vous ne rêvez pas. Oh oui, nous allons le faire. On va faire ce jeu, on va faire ce truc qui est ressorti en plus. Non mais c'est ça qui est hallucinant. Faut savoir que ça existe depuis maintenant longtemps et beaucoup de jeux ont été adaptés un petit peu de cette licence sur différentes plateformes, différentes consoles. Et là, ça revient. Mais attention mesdames et messieurs, encore plus haut, encore plus grand, encore plus fort comme le faisait Olivier Mine. Hein, d'ailleurs le mec était putain de baraque. Hein. Là, le mec il a soulevé de la fonte, il a pris deux bonhommes sur ses bras puis il a fait comme ça. Hein. C'est sûr que c'est pas moi. Quoique, regarde ça, là, chacha. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On y va, mes gens. Et vous savez quoi? Oui, on peut le dire. Et Jean-Pierre Coff serait content. Jean-Pierre Coff serait fier de cette vanne, de cette phrase que je vais dire. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. On n'en voudrait pas pour bouffer, même à son chien, à son chat ou à son hamster. C'est de la merde. Oui, mes gens, retour des boost tests avec Fort Boyard. Oh yeah! Avec le générique de l'époque en plus. Oui, avec le générique de l'époque. Bon, faudrait quand même que je le mette à niveau, mais bon, franchement, je me suis fait ultra plaisir. Et là, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer le jeu et on a donc le choix entre, waouh, 4 personnages. Waouh, un choix exceptionnel de personnages. Alors, nous avons, mesdames et messieurs, nous avons Galax. Je sais pas ce qu'il fait là. Il nous l'avait caché, hein. Petit chenapan, tu nous avais caché que t'avais fait Fort Boyard en fait. C'est énorme. Donc nous avons Galax, on a Shaim, on a Cyril Ferraud et on a Sophie Davant. Bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y aura qu'un seul personnage. Un seul personnage, mesdames... un seul personnage, qu'est-ce que je raconte? Évidemment, un seul personnage que vous allez choisir, parce que vous pouvez jouer à 4, hein, c'est marqué sur la boîte. Voilà, vous avez vu une belle petite boîte hein, qui fait plaisir. Et c'est marqué donc de 1 à 4, en fait, vous pouvez jouer, mais il n'y a que ça, il n'y a que ces 4-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir autre chose, voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. Bon, on va prendre Galax, évidemment, hein. Coucou poto dédicace, hein. D'ailleurs, j'oublie pas, il faut qu'on fasse une vidéo en duo. Ah. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Allez, on va prendre Galax. Mais vous n'avez que ça! Vous n'avez que ces 4-là! Il n'y en a pas d'autres, quoi! C'est vraiment ceux-là, point barre, merci, au revoir, quoi! Puis tu te dis, putain, mais c'est pas possible, sans déconner, les gars! Vous êtes sérieux? Alors, écoutez, là! Non, mais écoutez! Le pire, c'est qu'ils ont même pas... Encore! Que ce soit pas la voix officielle! Il n'y a pas de problème, je comprends, très bien. Il n'y a pas les voix officielles, je veux bien. Mais comment peut-on expliquer qu'à un moment donné, les mecs se sont dit « Ah bah attendez, on va faire une simili-voix, mais on va faire comme s'il avait du pâté dans la bouche. » Donc ça fait « On dirait qu'il n'y a plus de dentier, il n'y a plus de dents, il peut même plus parler, c'est quoi ce bordel ?» Sans déconner. Et là, mais évidemment, notre petit... Putain, t'as le cul qu'il a. Les mecs, ils sont pas foutus de modéliser comme il faut le jeu, mais par contre, pour modéliser des culs, ça, ils savent le faire, quoi, c'est incroyable. Bon, je vais me remettre ici. Donc, on va, en fait, bah, vous connaissez Fort Boyard, je pense que vous avez peut-être même grandi avec Fort Boyard de l'époque. Et il faut savoir, donc, que on va retrouver la plupart des grandes épreuves de la série.
Donc évidemment, en essayant bien sûr de pas faire le con. Et d'ailleurs aussi des épreuves que vous avez peut-être connues avant, ou peut-être que vous avez connues même tout récemment, puisqu'il faut le savoir, à Fort Boyard, maintenant, ça fait un moment que ça existe. Ça fait un moment maintenant. Je crois d'ailleurs ils ont pas fêté leurs 30 ans il y a pas si longtemps, je sais plus. Mais et ça évolue, c'est une émission télévisée qui évolue. On passe d'animateur en animateur, d'animatrice en animatrice. Hein. On se souvient tous évidemment de Sandrine Dominguez, on se souvient d'Anne-Gaëlle Richaud. Ma waifu, ma préférée, je t'aime Angel. Et puis bien sûr, Castaldi, Olivier Mine, Patrice Lafont. Enfin moi j'ai connu hein, ça, j'ai connu vraiment l'époque où c'était déjà vraiment au sommet de sa forme, où je regardais ça avec mes grands-parents, enfin on regardait ça en famille du coup, et c'était vraiment le moment familial par excellence. De toute façon c'est une très bonne émission, on va pas se mentir, ils ont toujours su se renouveler au fur et à mesure du temps. Alors oui, il parle, mais les bouches ne vont pas. Ah non, mais c'est trop compliqué. Regardez Passepartout. C'est là-bas. Mais bon, voilà. Du coup, tout en faisant évoluer le concept au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des années, bah du coup, en fait, ce jeu va piocher notamment sur des nouvelles épreuves qu'il y a eu là tout récemment. Alors là, la course est énorme. Et du coup, voilà, c'est, vous allez retrouver tout ça. Alors attention, mesdames et messieurs, un nombre incroyable d'épreuves que vous allez avoir. Vous savez que, évidemment, il y a beaucoup d'épreuves dans Fort Boyard. Il y en a énormément d'épreuves, notamment Excaliburne. Et donc, du coup, vous en avez 12. Oui, mesdames et messieurs, 12 épreuves, en comptant notamment les épreuves de fin pour avoir les boyards. Pour avoir les indices, plus les jeux qu'on a avec le conseil, le fameux conseil. D'ailleurs, le mini-jeu du conseil, il n'y en a qu'un, c'est toujours le même. C'est le truc où il faut se souvenir des couleurs. C'est tout, il n'y a que celui-là. Sans déconner les gars, vous êtes sérieux? Putain, les mecs, ils sont pas foutus de mettre plus de mini-jeux que ça. C'est quoi le bordel, là? C'est quoi le truc, là? Donc, évidemment, il y a des épreuves que vous allez bien reconnaître, comme celle-ci. Donc là où, en fait, tout est une question d'action contextuelle, parfois de QTE ou ce genre de choses. Bon, le gameplay, on va pas se mentir, hein, il est... c'est très basique. Hein. Mais après, ça, je peux pas leur en vouloir, parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui s'adresse à la famille. C'est un jeu familial, donc il faut que ce soit quand même relativement simple. Donc, ça encore, que ce soit simple, c'est pas un problème. Mais faut que ce soit intéressant. Le problème, c'est que en même pas une heure de jeu, bah t'as fait le tour du jeu. T'as tout vu du jeu. Allez, dépêche-toi là, mais c'est pas possible. Allez, on le rate pas celui-là. Mais non, mais pas à côté. Putain, c'est pas possible. Allez, cette fois-ci, tu le rates pas. Oui, merci. Oh putain, j'ai failli chier dans le ben. Mais voilà, le truc, c'est ça, en fait. C'est que... Regardez, May the Perforas be with you. Eh, c'est énorme, ça. Ça, c'est énorme. La phrase, elle est exceptionnelle. Elle n'a aucun rapport. Aucun. Mais alors, aucun. Mais les mecs se sont dit, bon, on va mettre May the Perforas be with you. Ça n'a aucun rapport, les gars. Ça n'a aucun sens. C'est pour... On met pas des phrases comme ça qui n'ont aucun sens. Mais voilà, c'est ça le truc en fait, c'est de se dire à quel point, ok, un gameplay peut être accessible pour le grand public, mais de toute façon, ça vole pas haut quoi. Mais surtout, t'as fait le tour en une heure de jeu. En une heure de jeu, t'as vu toutes les épreuves. Ça y est. Tu as vu toutes les épreuves. Toutes les épreuves, tu les as vues, tu les as parcourues, t'as tout vu. Donc, t'as envie de dire, bah en fait, au final, du coup, ça sert à rien. La seule truc d'énigme que l'on va voir, c'est celle-là, avec la momie. Tu vas même pas, tu vois, la vigie pour voir justement le Perforas. Un indice, boum! Non, t'as pas ça. T'as que ça. T'as que ce truc-là. Après, c'est fini. C'est de la fainéantise. C'est de la pure fainéantise. Et faut pas me dire, ah, les droits, machin, tout ça. Ça n'a aucune importance, les droits. Là-dessus, ça n'a même aucun rapport. Non, c'est de la fainéantise, quoi. Faut vraiment le faire quand même, parce que 12 épreuves, non, c'est pas suffisant. Alors, je peux être du monde ou de cheveux, amené par un arbitre ou des ciseaux. Je sers à boire et j'accompagne le gagnant et le champagne. Alors attends, je peux être du monde ou de cheveux, la coupe? Bah oui, la coupe, amené par un arbitre ou des ciseaux, la coupe de ciseaux, enfin, ciseaux, la coupe, enfin, bon, vous avez compris. Je sers à boire et j'accompagne la coupe de champagne, le gagnant et le champagne, voilà, donc le gagnant, la coupe et tout ça. C'est bon, j'ai trouvé.
J'ai trouvé. Allez, je veux la réponse. Et là, t'imagines, je me plante. Donc, c'est la coupe. Ouais. C'est gagné. Le mec qui est entouré fait oh, c'est gagné. Puis vous l'avez vu, il n'y a aucune ambiance, il n'y a rien du tout. Ah, c'est parti. Incroyable. Incroyable. Mais voilà, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ressort, en fait, du jeu. Parce qu'encore, tu vois, il y aurait l'ambiance Fort Boyard et tout ça, ce serait bien. Là, on a un semblant de thème principal qu'on a entendu, donc, au départ, qui était un petit peu remixé façon trailer music, de immediate music ou de audio machine, ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, y a rien. En fait, ils ont les droits de Fort Boyard, mais ils ont pas les droits. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rien pour pouvoir vraiment le faire. Alors ça, c'est énorme, mes gens. Je vais vous montrer ça. Alors, vous le savez, en règle générale, donc en face de nous, il y a souvent un acteur, une actrice ou autre qui est là. Enfin, surtout un acteur, du coup. Et du coup, là, vous allez voir, quand il va se prendre le truc, ça va être énorme. Mais je vous dis, vous verrez, c'est magnifique. Donc là, bah, simple, hein, l'épreuve, faut justement esquiver en haut, en bas, ce genre de choses. Voilà, c'est du gameplay émergent, hein, évidemment, ça fait plaisir. Mais encore une fois, je critiquerai pas le gameplay dans le sens où, voilà, c'est accessible, c'est pour tout le monde. Mario Kart ou Mario, enfin Mario Party notamment, c'est un peu ça également. Je vais pas critiquer là-dessus, mais moi je critique surtout l'intérêt, quoi, sur le long terme, c'est-à-dire, bah rien. Attention, attention, allez, vas-y, là, ça commence à aller vite, là. Il va tout se prendre dans la gueule. Allez. Vous avez vu. Le mec est mort. Le mec, il est mort, il se relèvera pas. Il s'est pris le truc, il est tombé comme ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ah non, mais c'est... Là, franchement, je vous dis, on est... C'est au-delà de tout. Mais par contre, le jeu, c'est des barres de rire. Ah, c'est des barres de rire. Tellement, tellement, en fait... On va pas se mentir, ça ne ressemble à rien. Autant, tant ça ne ressemble à rien du tout. Alors, je remercie la personne qui m'a offert ce jeu. Je pense que cette personne, qui se reconnaîtra évidemment, savait que j'allais faire un boost test dessus. Il s'est dit, hey gars, faut que tu nous refasses des boost tests comme à l'époque. Hein, parce que ça, c'était génial. Hein. Eh ben oui, c'était génial. Bah là, la preuve, là, j'espère que vous kiffez. Hein. Ah, ça y est. Oh, bonjour. Oh, mon Dieu. Ah non, c'est hallucinant. Voilà, donc, la salle du trésor. On a obtenu les clés, voilà. Donc, il y a l'énigme du fort et tout ça et tout ça. Donc, on va avoir des épreuves donc pour pouvoir récupérer donc les fameux indices, pour ouvrir le truc à la fin. Bon, ça, je pense que vous avez compris hein, comment ça se passait. Les temps de chargement sont aussi assez longs. Et donc là, du coup, en fait, voilà, on enchaîne avec... Donc là, cette fois-ci, pour la récupération d'indices. Ensuite, après, on ira dans la salle du conseil, je crois. Et ensuite, après, bah, ça sera fini. Oh, mais regardez-moi ça, quoi. Écoutez la musique. La musique est exceptionnelle, franchement. C'est incroyable, non mais c'est incroyable. Non mais voilà, bon, est-ce que j'ai besoin de revenir techniquement sur ce que le jeu est? Oh merde, putain, je suis tombé. Putain, mais quel imbécile. Je pensais que c'était fini, et même pas du tout. Est-ce que j'ai besoin vraiment de revenir sur l'aspect technique du jeu? Sincèrement, je pense que non, je pense que vous voyez un petit peu ce que ça donne, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer plus que cela, parce que vous le voyez de vous-même, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et là, il n'y a pas d'excuse de « Ah ouais, mais la Switch, elle est pas puissante » ou quoi que ce soit. Mais faut arrêter avec ça. Y a même pas, là, c'est même pas une explication de « Elle est puissante, elle est pas puissante » ou quoi que ce soit, mais bien sûr que non. Là, c'est juste que... C'est juste pas possible, quoi. Voilà, il n'y a pas d'animation, ou en tout cas, les seules animations qu'on a, c'est le strict minimum. C'est... Les bouches ne sont pas animées. Voilà, là, Passepartout, on dirait qu'il est mort. On dirait qu'à l'intérieur, il est pas bien. On les entend, ah, bravo, c'est beau, c'est génial. Mais t'as rien qui permet vraiment de te mettre dans l'ambiance. Là, pareil, tu vois, c'est... C'est ni fait ni à faire, c'est ça qui est triste en fait, c'est de te dire « Ah, méga gaffe !» Ah, ça c'est pas mal parce que alors là, le gameplay est incroyable. Alors là, mesdames et messieurs, le gameplay est incroyable. Tout est en imprécision totale. Et pourtant, c'est peut-être encore là où on se dit « Bon, l'eau, elle est encore pas trop dégueulasse, ça va encore, des petits effets de reflets, des petits effets comme ça qui sont pas encore immondes non plus. » Mais voilà, alors là, par contre, le gameplay, je vous dis, là c'est une cata.
Là, c'est une catastrophe. Parce que là, faut vraiment... Reviens ici! Voilà, par ici! Non! Alors évidemment, grosse dédicace, hein, grosse dédicace, bien sûr, au joueur du grenier qui a dû, évidemment, bien se... Mais putain, mais j'arrive pas à prendre les pièces! Mais c'est quand même incroyable! Stabilise-toi, voilà. Voilà, stabilise-toi. Là, comme ça, là, là, non, là, là, voilà, là, là, la pièce. Mais putain, mais il va pas prendre la pièce. Ah, merci quand même. Il y a un moment donné... Donc ouais, je disais grosse dédicace au joueur du grenier, parce que forcément, quand on pense à Fort Boyard, on pense aussi à ce qu'il a fait. C'était énorme. C'est bon, voilà. Alors là, maintenant, attention. Donc là, il faut aller au milieu. Voilà, ici. Et ensuite, donc il faut se... Voilà, faut faire ça pour récupérer la clé. Je vous assure que c'est un enfer. Là, à ce moment-là, diriger ce truc, c'est un enfer. Alors pareil, hein, ils n'ont pas eu la licence pour utiliser... pour utiliser le visage de Megagaff. Mais j'aimerais bien qu'on voit... Je pense pas qu'on le verra. Parce que j'aurais bien aimé que je vous montre Delphine. Delphine Westpizer, donc qui joue Blanche. Mais malheureusement, je pense que comme je suis trop bon... comme je suis trop bon et que j'ai eu les clés, les indices, on la verra pas. Parce que là aussi, pareil, il y a le passage avec Blanche. Donc, dans le jeu... Ah, oh, ça, c'est nul, ça. Ah, ça, c'est nul. Mais de toute façon, on va très vite le faire. Et Blanche... Je suis désolé pour elle, hein, parce que dans la vie, cette femme est magnifique. Voilà, Delphine Westpizer, si tu vois cette vidéo un jour, je t'aime beaucoup. Voilà, je t'apprécie énormément. Tu es magnifique. Tu es mon millésime. Ma plus belle année. Mais non, mais dans ce jeu, Blanche est dégueulasse. Elle ne ressemble à rien. Elle est même pas animée. Elle est même pas animée. C'est n'importe quoi. Putain, mais c'est tellement nimp, sans déconner. Ah non, mais franchement, faut arrêter. C'est là où tu te dis. Oui, c'est ni fait, ni à faire. Je sais pas, moi, à un moment donné, vous allez peut-être me dire, mais ouais, mais Bibi, faut un budget pour faire des jeux, machin, etc. Ouais, enfin, ok, faut un budget. Je pense aussi qu'il faut du talent, parce qu'il y a un moment donné, quand tu sors ça, surtout qu'en plus, tu le sors, il est quand même au prix fort, à un prix relativement élevé pour un jeu qu'on connaît déjà bien, c'est-à-dire entre 30 et 40 balles, voire même plus si on le prend en démat. Ça fait toujours plaisir, hein. Comme quoi, le démat, hein, c'est très intéressant. Mais là, tu te dis, mais non, les gars, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Quand tu sais que tu n'auras pas le budget ou que tu n'auras pas le talent pour faire un jeu, tu ne le fais pas, c'est pas parce que t'as les licences qu'il faut le faire. Il y a un moment donné, je pense qu'il faut raison garder, il faut réfléchir, il faut se réveiller, quoi, c'est pas possible. Quand tu vois ça, tu te dis, oui, c'est bien, tu te dis, c'est bien, ah, bah, c'est génial, ah, c'est magnifique, on a fait ce qu'il fallait. Bah non, non. Non, c'est... Oh putain. Alors là, mesdames et messieurs, là on touche le firmament. Ah, là on touche le sommet. Alors vous allez voir d'ailleurs qu'il y a Passe-Muraille qui sera là, parce que Passe-Temps n'est pas là. Allez savoir pourquoi. Du coup, je sais même pas s'il est encore là, en fait, dans les nouveaux Fort Boyard, parce que ça fait un petit moment que je regarde plus Fort Boyard. Et voilà Passe-Muraille. Donc Passe-Muraille mort de l'intérieur aussi. Le mec, il est... Regardez. Oh mon Dieu, on est... Le mec, il est mort de l'intérieur, il en peut plus. Il est là en train de se dire, oh, laissez-moi tranquille. Là, il est parti se suicider. Non, mais c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Regardez. Oh, mon Dieu. C'est là où tu te dis, ouais, c'est quand même impressionnant. Voilà, c'est... Ouais, je sais pas, je trouve quand même que c'est limite irrespectueux, en fait, par rapport aux médias d'origine, qui, je le rappelle encore une fois, c'est un truc pour les enfants, pour la famille, pour quelque chose qui va bien aller, ils vont passer un bon moment, quoi que ce soit. Tu leur donnes ça. Comment, à un moment donné, tu as pu te dire, ah bah oui, je vais leur donner ça. Ouais, pas de problème. Ouais, on a encore gagné. Alors, d'ailleurs, on gagne une clé, mais c'est pas une clé, hein, c'est un indice, en fait. Hein. Donc, même là, les mecs se sont pas fait chier. Hein. Ils se sont dit, ah bah non, je vais refaire la même scène cinématique. C'est une clé, mais c'est pas une clé, en fait, que tu récupères, c'est l'indice. Non, mais sérieux, quoi. Ah, et voilà. Et donc, là, on arrive dans la salle du conseil. Et là, mes gens, la salle... Et voilà, c'est tout le temps le même. C'est tout le temps le même. C'est tout le temps celle-là. Il n'y a rien d'autre. La salle du conseil, d'ailleurs, qui n'a un vide absolu. Il n'y a que deux personnes. Il y a toi et le... Ah non, il y a Perfura, toi et le maître du jeu. Regardez. Il n'y a que ça. Il n'y a personne d'autre à côté. Alors là, attention. Là, on va essayer de pas faire le kikou. On va essayer de se souvenir. Parce que ça, c'est de la mémoire. Alors, rouge, bleu, vert, rouge,
bleu... Oulala. Ok. Alors, rouge, bleu, vert. Rouge, bleu, vert. Rouge, bleu, vert. Rouge, rouge, bleu. Rouge, bleu, vert. Rouge, rouge, bleu. Rouge, bleu, vert. Rouge, rouge, bleu. Vert, 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 bleu. Rouge, bleu, vert. Rouge, rouge, bleu. Vert, 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 bleu. Rouge, bleu, vert. Rouge, rouge, bleu. Oh putain. Rouge, bleu, vert. Rouge, rouge, bleu. Rouge, bleu, vert. Rouge, rouge, bleu. Putain, merde. Rouge. Alors, rouge, bleu, vert. Rouge. Non, rouge. Rouge, bleu. Vert, 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 bleu. Non, c'est un bleu, là. Là, c'est un bleu. Rouge, bleu, vert, rouge, rouge, bleu, vert, 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 bleu. Ouais, c'est bon. Je valide. Je valide Julien Lepers. Alors, est-ce que c'est bon? Attention. Moment de pression, les gens. Peut-être le dernier. Yes! Et voilà. Et ça, c'est bon. Et on a gagné. Et c'est tout. C'est tout. Voilà, la salle du conseil, c'est fini. Après, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est fini, voilà. L'aventure touche à sa fin. Et voilà, maintenant, tu vas faire l'énigme du fort. Sérieusement, les gars, sérieusement. Pourquoi? 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 Alors là, attention, faut trouver l'énigme. Parce que le truc du boyard, faut que je vous montre, parce que c'est la fin. Voilà, c'est la fin du jeu, mes gens. Oui, nous avons terminé le jeu en presque 25 minutes. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énigme? Alors, dites-moi tout. Alors, manquer grand oxygène, poumon. L'air. Le grand air, manquer d'air, l'oxygène avec l'air, et poumon avec l'air. Bah, c'est l'air. J'ai envie de dire, l'air de rien, c'était facile. Attention, Félindra, tête de tigre, Félindra visible. Félindra visible, putain, même ça. Oui, on a gagné. Allez, c'est parti, la YouTube monnaie. La YouTube monnaie, les gars, ça y est. Ça y est, la YouTube monnaie, c'est bon, on est en train de tout récupérer. Ouais, les YouTubeurs sont pleins de pognon. Et voilà, et j'ai envie de vous dire, c'est fini. Voilà, c'est... Ah bah c'est tout, hein, vous n'aurez rien d'autre. Hein. Là, autant vous le dire tout de suite, il n'y a rien d'autre. Après, c'est fini. Voilà, donc vous pouvez bien sûr, vous l'avez compris, jouer... Donc à plusieurs, hein, vous pouvez jouer jusqu'à 4 en même temps. Alors c'est de la coop locale, hein, donc c'est bon, c'est très bien, hein, ça fait putain. Ah mais pousse-toi, t'as les chimes, elles me rentrent dedans, j'aimerais bien. Mais mais le voilà, tu te dis, putain, c'est pas possible les gars, sans déconner. Donc on a fini le jeu, voilà, on a fini le jeu. Et le problème c'est que il y a un moment donné, t'as que 12 épreuves, donc tu n'as sincèrement plus rien à faire après. Parce que tu auras tout vu. Donc comment veux-tu aussi donner envie aux gens de s'investir un minimum sur le jeu si derrière, bah tu ne proposes rien d'autre quoi. Vous comprenez pourquoi pour moi ça, ce genre de jeu, je suis désolé de le dire et c'est peut-être méchant, mais c'est du brin. C'est du brin, il n'y a pas d'autre mot quoi. On peut pas se dire à un moment donné, tiens, je vais vendre un jeu comme ça, et puis bah les gens ils vont acheter, et puis bah Nikoumouk. Mais non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Allez, casse-toi toi. Oui, parce qu'en plus, si on rentre dans le personnage, on perd des boyards. Donc attendez, hein, c'est pour une association, l'association Bibi en folie, qui lutte contre les blagues pourries, les vannes pourries de Bibi 300. Donc n'hésitez pas à donner de l'argent, c'est très important. Allez, vite, 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 de l'autre côté. Vite, cours, cours, va-t'en, vite, vite, reviens, la grille, vite, vite. Faut vite le poser. Ah, c'est bon. Bon, alors, combien de boyards? Alors, on était la dernière fois, je sais plus à combien, je vais voir si on a pété le score, parce qu'on avait fait un live dessus. Alors, attention, est-ce que j'ai pété le score? Attention, oh. Yes, 15 000 boyards, yeah. Et ben voilà, c'est... Voilà, c'est fini, a pu, non mais c'est fini, voilà, c'est terminé, on a fini le jeu. Oh, ils sont donc parvenus à résoudre l'énigme de fin, oh, je m'avoue vaincu. Voilà, et blabla, et voilà, et vous avez gagné, voilà. Et donc du coup, t'as le récapitulatif, donc de ce que tu as fait. Ah bah tu vois, j'ai percuté un autre joueur, donc tu vois, je l'ai pas fait exprès, mais voilà, je me suis fait avoir, et c'est fini. Et c'est fini. Le jeu est terminé. Vous comprenez bien qu'on peut pas... Il y a un moment donné, décemment, tu peux pas... Tu peux pas décemment dire aux gens, bah oui, c'est bien, achetez-le.
Alors, dans le tas, je connais quelqu'un. Voilà, dans le tas, dans le staff, je connais quelqu'un. Donc, je lui fais un gros coucou. Je suis désolé. Ah, je suis désolé d'avoir dit tout ça sur le jeu. Mais il y a un moment donné, c'est mon métier, entre guillemets. Faut dire les choses. Je peux pas ne pas dire les choses. Mais voilà, Fort Boyard, c'est mauvais. Fort Boyard, c'est de la merde. Je peux pas conseiller ça. Et à un moment donné, soyons francs 5 minutes, tu ne peux pas conseiller un truc comme ça. Ce n'est pas possible. Les gens attendent un minimum de qualité. Ils attendent un minimum d'envie pour pouvoir justement faire ce qu'il faut. Et c'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Donc, bah voilà, on va se quitter là-dessus, mes gens. Merci beaucoup d'avoir été présents pour cette vidéo. C'était super cool. Si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois, vous bourrez les likes, vous bourrez les commentaires, les partages. Allez-y, faut qu'on fasse 100 000 vues sur la vidéo. Allez, on y va. Allez, on y va, on fait tout péter. On y va et on fait tout déglinguer. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Et là, on se dit, oui, vive les jeux vidéo. Mais les bons par contre, hein, ce serait bien. Allez, ciao tout le monde. Et à la prochaine. Ouais, allez, à bientôt. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo, laisser un pouce dessus, un petit like et à t'abonner à la chaîne. Merci à toi de ton engagement et de ton soutien. Si tu veux me rejoindre sur les réseaux sociaux, eh bien tu peux. Je suis sur Twitter, Instagram, Facebook. Bref, il y a de quoi s'amuser, s'éclater. Quelques petites blagues ici et là, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux me soutenir financièrement, n'hésite pas non plus. Il y a le Tipeee, le Utip pour regarder des publicités ou bien tout simplement me rejoindre avec un petit système de sub pour YouTube avec la Bip Team. Merci à toi et à très bientôt. Des bisous.